Cette pièce volubile qui porte vraiment bien son nom. Alors Aurélie, avant de te laisser redescendre de scène, on a entendu l'art vraiment presque comme un laboratoire, on pourrait dire, dans cette pièce. Est-ce que tu peux déjà un petit peu nous expliquer certaines techniques qui ont été évidemment travaillées, j'imagine, étroitement avec Bernard de Vienne, et peut-être aussi un mot pour comprendre un petit peu, rentrer dans l'atelier même de votre travail. On avait déjà travaillé avant, j'avais déjà travaillé son trio, et puis j'avais écrit aussi pour mon trio une petite miniature. Et puis on avait travaillé justement toutes sortes de préparations, un petit peu. On a fait des petites séances de recherche ensemble, donc je lui ai proposé certaines techniques. Et voilà, il a fait cette pièce qui est en fait volubile aussi dans toute cette polyphonie de timbre de préparation et d'utilisation de l'harpe en essayant, alors que c'est quand même un instrument où les sons sont longs et on passe notre temps à les couper, à trouver le moyen d'agrandir encore le son avec le papier d'aluminium et de laisser cette longue résonance comme ça qui est comme un schleichmotiv. Oui, voilà, comme un petit tout au long de la pièce. Qu'on entend au début et à la fin de la pièce. Et puis, si on regarde, c'est des petits bouchons, c'est ça que tu as mis sur cette corde. Alors, il y a de la pâte à fixe. Alors, on a fait plusieurs essais avec toutes sortes de pinces, mais qui sautaient un peu quand on jouait fort. Donc, on a trouvé ce système-là, finalement. Pas plus tard qu'avant-hier. c'est vraiment, Bernard, un peu une œuvre, pour reprendre un mot cher à Boulez, une sorte de work in progress, cette pièce. Elle est presque... Oui, non, elle est aboutie. Elle est aboutie. Voilà, quand même. Mais Aurélie, elle mérite effectivement d'avoir changé des choses il y a deux jours. Parce que les petites pinces à linge, c'était très joli, mais elle faisait bing, hop, la pince à linge partait comme ça, donc c'était pas terrible. Donc c'est ce qui donne ces sonorités très... Et les bouchons, et d'autres types de sonorités. Donc les hauteurs
on s'en soucie pas trop. Et puis ça donne ce genre de sonorité, mais justement des sonorités là pour le coup qui sont très, très musique non européenne. Et le papier d'aluminium en bas, là pour moi il y a une référence qui est très précise dans la musique africaine, les sons purs sont associés à la mort. Et donc toujours dans les harpes africaines, on toutes des tas de grenailles, des tas de choses dessus qui vont bzzz en permanence pendant qu'il joue. Et c'est vrai que quand Aurélie m'a montré ça, je me suis dit, bah tiens, voilà, j'ai mis en connexion deux choses, la musique africaine, là, le truc, et puis je me suis dit, tiens, c'est très bien comme ça. Voilà. Donc une musique bien vivante, n'est-ce pas? Et mais... ça rappelle aussi les harpions des harpes médiévales, c'est des petits morceaux de fer qui vibrent avec la, quand on passe la corde sur la médiévale. Voilà. Toujours dans la lignée. Voilà. Mon cher Renard, merci Aurélie.